Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Crusader Kings 2. Bon, alors lui là il est vraiment dans la mouise là le gars. Mais démobilise ta petite armée toute pourrie, puis bah ramène-toi ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais taper sur quelqu'un, mais qui? Cent cinquante-six pour lui. On va se calmer un petit moment, puis on tapera sur gentiment Nabilid là pour qu'il donne cette riche province qui se trouve là-haut. Là, on va laisser charger le jeu. Au limite, si j'ai une idée, j'ai fait la guerre pour bouffer ce duché-là. Et dans le même temps, j'ai fait la guerre pour manger chez Tyrid. Je séparais mon armée en deux. Quitte à mobiliser toutes mes troupes. Son despote d'Aquitaine, lui, le nouveau, envoie un cadeau. En termes de culture, ça se convertit assez bien, je trouve. On va l'envoyer en lycée, histoire de convertir le plus les orthodoxes. Et presque plus orthodoxe, hein. La province, elle est toujours orthodoxe. Là, c'est encore du musulman. Mais ça va bientôt gicler, ça va gicler, vous allez voir. Et regardez, c'est Yazidis qui apparaissent. Pourquoi? Parce que à force d'avoir d'affaiblir les musulmans, qui perdent des guerres saintes, ça développe les hérésies chez eux. Ok, donc l'Andalousie veut le Sinaï. Des rebelles bouddhistes se sont soulevés là-bas. C'est n'importe quoi les rébellions, sérieusement là les gars. Ils arriveront bientôt le 5 juillet, le 10, 5 et 10. Et massacre, c'est bon, hop, vous rentrez les gars, putain, victoire totale. Youhou. Ah oui, faites. Aux oubliettes. Ah, et parmi les gars justement qu'il y a chez moi, dans ma... Toi, je peux te racheter déjà 10 pièces d'or. Toi, je peux demander une conversion religieuse. Je dois changer 10 pièces d'or aussi. Et vous voulez un truc encore plus cruel? Shara'a est enfermée depuis 27 ans. Elle a 32 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 5 ans, elle a été enfermée en prison. Et elle n'a pas vu le jour depuis un bon moment. En fait, depuis 5 ans, elle est enfermée entre 4 murs. Et elle a sombré dans la folie. Et on va l'envoyer dans les ténèbres. Regardez. Voilà. Est-ce qu'il y a plus cruel que ça?
Non? Vous trouvez pas? Donc là, les musulmans sont vachement divisés. Donc on va tabasser gentiment sur eux. Tiens, il y a des gars qui pourraient foutre le camp. Pape Clemens, il est archevêque des Sanglias. Ouh là là, ça me plaît pas du tout cette histoire-là. Un cardinal. Où c'est qu'il y a plus de votes? Ça, il est hors de question que l'Estanglia. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon diplomate faire un claim sur l'Estanglia. Et c'est un archevêché. Héritier de la pauvreté, c'est hors de question, mon gars. D'ailleurs, je vais faire un truc. Ici. Mais parmi mes vassaux, j'ai un gars qui me sert absolument à rien. Je le retrouve, attendez. Un, deux. J'ai quand même trois vassaux qui cassent les pieds. Normalement, ça va être 45 sur 43. Voilà, le patriarche œcuménique, celui-là. On va lui l'évêché de Constantinople. Donc lui, il a absolument plus rien. Donc du coup, on va le rendre indépendant. T'as plus de vassaux, mais c'est pas grave, puisque après tout, ce truc-là. Voilà. Et un vassal de moi pour qu'il ne cassera plus les pieds. Hop. Donc je vais faire quoi moi? Donc on va être gentil avec les bouffons et compagnie. Merci à toi d'avoir introduit le machin à la cour. Toi, pourquoi tu n'aimes pas? Moins 15 pour annulation d'un titre de vassal. T'aurais connu mon père, il a fait pire. Façon dangereuse. Despote d'Arménie. Et tiens, on va donner un titre honorifique. Ça doit te plaire comme petite chose, je suppose. Et d'ailleurs, et mes domaines à moi, est-ce que je peux encore construire un truc caserne ici? Constantinople, elle est ultra blindée. Là, on va construire une tour pour améliorer de 10% le nombre total de. Comment on appelle ça, de fantassins en garnison. Du coup, alors, je voulais voir, est-ce que ce qu'il faudrait, ce serait vraiment que mon chancelier fasse un claim sur l'Empire, enfin sur le duché à la con là. J'aurais tellement récupéré. Oh la vache, ça a explosé. Roi de Huerton et roi de Brittonialde. Ok. C'est Pays de Galles quoi.
Est-ce que j'ai des claims moi sur... Oh! J'ai des claims sur cela, pour quelle raison? Essayons de comprendre pourquoi je peux avoir un claim sur lui. Je m'en fous vraiment des gars qui sont pas chez moi. On va faire une chose, je vais regarder pour voir ici. Je peux déclarer la guerre, toi je peux déclarer la guerre ou pas? Non, et toi? Donc toi tu veux... On prend le prétexte le plus bidon possible. Je me fous totalement en même temps d'aider ce con. C'est pourquoi tout ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aider ma femme. Ma femme était assez conne pour pas vouloir me dire qu'elle était en guerre. Et heureusement, je me suis aperçu qu'elle était dans les ennuis. Mais hors de question que son territoire à elle, à mon épouse, soit affaibli par un guignol de ce genre. On va réunir quand même un peu ce bazar là, histoire de pouvoir transporter les hommes. Bon, maintenant on va pouvoir taper sur lui. La femme Margaret est enceinte. Allez, go! J'ai aidé mon épouse. Et là, bim! Tu vas rien comprendre, mon petit ami. Oh, un prisonnier. Celle-là. Qu'on réduise ses rations de nourriture ou qu'on libère des rats. On va lâcher des rats dans sa cellule, la pauvre. Donc lui. Ah les misclics, ça c'est chiant les misclics. Du coup je trouve dommage quand même que mon épouse là avec son duché de Wessex, elle n'ait pas fait de claim sur d'autres provinces. J'aurais même aimé que elle ait fait des claims aussi, j'aurais pu la soutenir. Du coup je lui ai dit, t'as un claim sur ça? Oh attends, je vais t'aider ma chère épouse.
Voilà, on va écraser la petite armée. Garde, oh, garde, préparez ça sur une torture. Elle a été juste blessée, c'est tout. On va libérer cette province là rapidement. Et eux, ils partent vers l'ouest. Ok. Donc j'ai parti vers à tous les coups vers Difed. Je laisserai le rencontrer là-dedans pour essayer de le défoncer à mort. Nous lui avons encore un fils. Bon, faut que j'arrête mes conneries là au nord. Faut seulement que je me dis après. Je grouille d'achever. Ouais, c'est ça, de créer le duché de machin. Qui a déjà été créé il y a belle lurette. Bah, ça explose encore ici, hein, faut croire. Rembouffer les sangliers, parce que si je perds le... Il n'y a plus que ces machins là qui sont cato. Et comme pas faire croire que de tous les candidats à la curie, c'est le Gus qui est ici qui va me la piquer. Ça, je pourrais pas faire pression un peu sur le pape pour faire en sorte que je choisisse le successeur. Pourquoi c'est le préf... pourquoi voter pour ce con? On va excommunier le futur pape, vous allez voir. Oula, t'as un petit problème. Autant pour moi, veuillez m'excuser. 4 janvier. Petit problème là, parce que j'ai appuyé sur une mauvaise touche sans faire exprès. What? Le jeu a planté. Ok, bon bah on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce vert, un commentaire. Moi je vous dis salut tout le monde.